Après avoir défini une destination, touchez « Démarrer » pour lancer le guidage d'itinéraire. Le système fournit des indications vocales, en plus d'une cartographie en temps réel, sur l'écran d'affichage central pour vous aider à naviguer vers votre destination. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'écran de la carte passe à une vue fractionnée qui affiche une vue agrandie de l'intersection sur la gauche. Un écran divisé semblable s'affiche lorsque le véhicule se trouve à environ 1,6 km d'une bretelle d'autoroute sur son itinéraire. Dans les deux cas, appuyez sur le bouton « Carte » pour revenir à la vue « Affichage unique de la carte ». Maintenez le bouton « Carte » du panneau de commande enfoncé pour que les indications vocales soient répétées. Lorsqu'un itinéraire est actif, la barre de lancement affiche un menu où vous pouvez toucher « Annuler » pour annuler votre itinéraire actuel, toucher « Itinéraire » pour afficher le menu des itinéraires, toucher « Destination » pour afficher le menu des destinations ou ajuster le zoom de votre vue actuelle à l'aide de ces touches. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.